Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cet épisode de Track Day avec aujourd'hui une voiture exceptionnelle au programme, une Ferrari, la 250 GT Lusso, qui est une voiture extrêmement rare, qui a été produite par Ferrari pendant peut-être 15 mois, entre 63 et 64. Une voiture qui a été produite à 351 exemplaires, donc c'est très rare d'en croiser. C'est une voiture qui à l'époque ne coûtait pas très cher évidemment, mais qui aujourd'hui eh bien, a dépassé le demi-million de dollars sur le marché eh bien, des voitures de luxe et d'ancêtres. Cette voiture est équipée d'un V12 de 3 litres, développant 240 chevaux, 4 rapports de boîte, bien sûr, bon, une consommation de 10 litres au 100, mais bon, quand on roule en Ferrari, ce n'est pas un problème. En tout cas, ce mode m'a bluffé par son comportement, un châssis très haut, une voiture qui a facilement du roulis, du tangage, qui est très facile à piloter, qu'il faut conduire de manière très coulée. D'ailleurs, vous allez voir, je ne suis pas 100% à l'attaque sur ce tracé d'Imola. Je suis en train de me balader parce que ce n'est pas une voiture faite pour la compétition, même si celle-ci est apparue notamment en 63 et en 65 dans des courses comme la Targa Florio, dont je vous ai déjà parlé, ou le Tour de France également, qui était réservé aux voitures de route, hein, qui était plus un rallye de voitures de route. En tout cas, cette voiture-là est tout simplement sublimissime, elle est disponible dans la description et je vous invite vivement à vous saisir de ce mode pour une petite balade sur des routes qui sont disponibles sur d'autres circuits dans Assetto Corsa. C'est vraiment une voiture très plaisante à conduire et alors le bruit est juste magnifico. En tout cas, vous connaissez la règle, profitez bien et montez le son.